Laissez jouer le scorpion, salut et bienvenue, on se retrouve sur le 20e épisode de Trial of Mana. Et donc là, on doit aller au château de Ferolia parce que Avalmor a capturé la fée et on veut aller la sauver. Et on veut comprendre aussi pourquoi. Donc, on utilise le tambour du vent pour appeler Flamie. Je laisse la cinématique pour la première fois. La prochaine fois, on passera. Et donc là, on est dans les airs et on peut aller où on veut. Alors, donc, on va suivre l'étoile, bien entendu. Et nous voilà à Ferolia. Oups. Donc c'est là où aussi le scénario diffère selon le personnage qu'on prend en premier. Dans mon autre partie, j'avais commencé avec Liz. Et donc c'était Belladonna, notre ennemi. Et on devait aller dans la forteresse. C'était un autre palais, mais je pense que ça va pas mal ressembler. Point de vue énigme, par contre on n'aura pas le même boss. Ah ouais, tant mieux, parce que un boss qui m'avait fait chier. Alors on va essayer de visiter partout. J'ai plein de niveaux à mettre, donc on n'a pas le choix de barrer partout. Alors, on va aller récupérer ça. Donc, sorti là-bas. Non, on est là. Il y a des escaliers ici. Ah non, c'est pas vraiment des escaliers. Chocolat. Ok. Bon. On peut récupérer ça. La caisse ne se casse pas. Alors, ici, il y a d'autres ennemis. Pour la suite, on va essayer de tout visiter. Voilà, un coffre et une graine dorée. Super. Massacre. Alors, il n'y a rien ici. Alors, ça, c'est pas le bon chemin, mais on va juste voir ce qu'il y a. Un coffre. Parfait. De l'or. Alors, grillage, grillage. Ah ah, déjà une statue mana, ça veut dire boss.
boss secondaire. Et non, pas de boss pour le moment. Alors. Ah ah! Je suis où là? Au début? C'est fermé. Mmh. Ah, je suis pas allé ici. D'objets, on peut sortir là. Ok, je suis sorti là, je suis rentré là. Ah, ok, je sais comment récupérer. C'est pas par là. Le coffre qu'on a vu derrière les grilles tout à l'heure. Donc, il faut que je sorte ici. Je viens de là. Ah, c'est compliqué. Ok, on peut pas s'y rendre en fait pour le moment. On peut aller plus haut. Voilà, faut aller sortir là-bas. Faire le tour. Ok, pratique ici, c'est que je suis tout le temps la nuit. Alors, donc ça a l'air d'être le bon chemin. Bon, peut-être qu'il fallait monter tout droit. Ou alors ça, c'est pas le bon chemin. Il y a une autre statue. Ça, ça c'est pour aller chercher le coffre, je pense. Donc, c'est bien là que je voulais aller. Ça tombe bien. Il doit y avoir quelque chose à récupérer au bout. Ouais. Ouh, les griffes cyclones. 19 points à mettre. Mais je garde tout ça pour quand je vais changer de classe. Et voilà, le coffre est là. Une corne, lune rousse. Oups. Alors, oh, ça augmente l'attaque. Super. Est-ce que je pourrais avoir mieux que le gantelet? Non. Et toi, t'as pas mieux, ok. Bon, alors fais tout le chemin. Ah. Ah, pour finir, c'est la bonne route. Ha ha ha. Osokattane, さ、フェアリーの命を助けたければ、そのマナの剣をこちらに渡してもらおうかね。卑怯な。獣人よ。それでも王なのか。くだらん。貴様らの猿芝居には付き合ってはおれん。勝手にやっておれ。待て、獣人よ。逃げるのか。ふん。ふん。 剣さえ手に入れば獣人どもにはもう用はない。
そっちこそ勝手にすればいいざます。まったく獣人王もバカだね。こんなに素晴らしいマナの剣に興味がないなんて。さあエアリーを助けたければさっさとその剣をおよこし、少しでも動いたらエアリーの命私がいただいちゃうよ。やった。これがマナの剣。どうだ、お前らみたいな邪悪な心の持ち主、剣が持ち主として認めるわけない。マナの剣、オイランだ。マナの剣は使い手の心を映す鏡。使い手によって光の剣にも闇の剣にもなりうる。光と闇は表裏一体。常に光が正しいとは限らぬ。私はウェンデルの光の司祭様に神官としてお仕えしてきたが、光の力では救うことのできない闇の世界の深い苦しみや悲しみ、憎しみがあるのだ。人は生き続けることによって苦しみ悲しむ。マナの剣は我が仮面の同志様の御手によって世界に死をもたらし、人々を生の苦しみから解放する剣となる。やった、これでマナの剣は私たちミラージュパレスのものに。そんな、もう時間がない。マナの剣を使い各地のマナストーンから神獣を解放するのだ。私は先に戻って仮面の道具の報告を。よっしゃしゃしゃ。間もなく神獣たちがよみがえり、世界中の人々が死ぬ。見渡す限り死者の魂だらけ。まさに魂の食べ放題。今からよだれが止まりません。今のうちにできるだけ腹を減らしておかないと、とても食べきれませんからね。あんたたちの魂はそれまでお預けにしておこうかね。それでは皆さん、ごきげん。ごめんね、私のせいでマナの剣が。フェアリー、大丈夫か。気にするな、お前のせいじゃない。それより奴ら剣を奪って神獣を復活させる気らしい。オイラたちどうすりゃいい。大変よ、もう始まってしまった。あなたに戻ってマナストーンの様子を見せてあげる。目を閉じて。神獣が復活してしまった。でも今はまだ目覚めたばかりで、神獣も8体に分かれている。今ならまだ間に合うかも。神獣が最終形態になる前に一つずつ倒せば望みがあるよ。行きましょう、マナストーンのところへ。
Battez les bénévolons. Nouvel objectif. Ah, ça y est, il n'y a plus de caisse ici. On peut pas sauter là, par contre. Alors, est-ce que les portes sont toujours barrées? Oui, ça, ça change pas. Et je suis pas rentré par la bonne porte. Wow, fait vraiment mal cette arme-là. Donc il n'y a pas eu de boss ici, c'est poche. On se soigne, on sauvegarde. Alors, je regarde le temps. Ouais. Doudoudoudoudou. Ah, j'ai pas mis la caméra. Semble. Oh, j'ai quand même raté un coffre ici. Comment peut-on l'avoir? Si je sors sur le côté ici, est-ce que je peux traverser de l'autre bord? Non. Ah, je sais. Ouais. On va aller tout droit. On va combattre un peu aussi. Bonus XP. Alors, hop. Voilà, c'est par là. Graines d'objets dorés, yes. Bon, même si je préférerais avoir des graines point d'interrogation, mais c'est pas encore ici qu'on les trouve. C'est dans chaque donjon où on va finir par affronter un bénévodon. Un petit peu d'or. On va pouvoir avoir des meilleures armes. Allez, on va combattre là. Et niveau 41 pour Lise.
Alors, nous voilà sortis du château. Et donc... Ok, donc en fait l'étoile... Ah oui, elle nous rend là. Ah bah c'est parfait ça. On va commencer par le donjon de les lunes. Ça donne rien comme XP. Explosé. Bon, en même temps, c'est des bons niveaux. Niveau 41 et on se bat des niveaux 10 niveaux de moins. J'arrive quand même à prendre du dégât. Ok, bon, épisode un petit peu plus court que d'habitude, on va s'arrêter ici pour avant le marathon des donjons Bénévodon. Donc il y aura 8 épisodes d'un donjon, chacun pour chaque... enfin s'ils sont pas trop longs, un épisode pour chaque donjon. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un commentaire, laissez-vous plaisir. Ça veut rien dire ça, mais bon, c'est vrai. Et puis je vous dis à de prochaines aventures, ciao, bye bye.